Je suis Antoine Prigent, je suis directeur général de Cerbalance Normandie. Je m'occupe du projet drone pour Cerbalescare et aujourd'hui on va faire un vol entre le laboratoire de prélèvement de Granville et le plateau technique de Saint-Lô, là où sont réalisées les analyses. Ce vol va se dérouler de manière automatisée, on va préparer les échantillons des patients, on va les mettre dans le drone. Il va se piloter tout seul, il sera supervisé par un télépilote humain qui va vérifier que tout se passe bien, mais il fait tout son trajet tout seul. Ensuite, il va arriver à Saint-Lô où on va récupérer les échantillons pour les emmener au laboratoire pour faire les analyses dessus. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça pour deux principales raisons. On fait ça, un, parce que c'est plus rapide que la voiture. On met 36 minutes en moyenne pour faire le trajet en drone contre 56 en moyenne en voiture. Donc on a un vrai gain de temps. Deuxième gros avantage, c'est l'impact carbone de cette solution, puisqu'on a mesuré qu'un drone émet 20 fois moins de carbone qu'une voiture pour un trajet identique.